Et donc voilà le résultat du dégagement. Donc ça fait quand même un beau bloc avec deux ammonites. Donc déjà, la petite ammonite là, malheureusement, elle est incomplète. Je l'ai bien senti en le dégageant en fait. Vous savez, quand vous dégagez des fossiles, des fois, les morceaux ils partent assez facilement quand il y a de la coquille. Et là, en gros, ça se dégageait assez facilement. Sauf que là, tout ça, ça allait. Et à partir de là, hop, plus rien, ça se dégageait plus. Et en fait, là, il n'y a plus de coquille. Donc tout ça, il n'y a plus de l'ammonite, il n'y a plus de tour. Et donc là, c'était pareil, j'ai essayé de dégager, j'ai pas continué parce que j'arrivais pas à obtenir un morceau de coquille. J'arrivais pas à voir la coquille, je tenais rien en fait. Donc bah là, peut-être qu'il y a l'ammonite, peut-être qu'il n'y a pas, mais j'ai pas voulu continuer parce que j'avais plus peur de l'abîmer qu'autre chose. Donc pour le gros ammonite, il est plutôt pas mal. Malheureusement, il y a des fractures qui se sont faites quand je l'ai préparé. En fait, ce bloc-là est hyper fragile. J'ai découvert en le préparant que c'était super fragile. Donc, j'ai préparé pas mal au micro-percuteur, mais aussi à la pointe avec une masse, un marteau. Et ça crée des fractures. L'ammonite, elle est partie en morceaux. En fait, là, il y a une grosse fracture qui fait tout ça. Donc, bon. J'ai mis de la colle pour consolider. Mais franchement, je ne peux pas faire l'arrière parce que l'arrière du fossile, il y a encore beaucoup de sédiments. Faut que je le prépare au micro-percuteur, ça va me prendre des années. Et fallait que je fasse au marteau et à la pointe. Et au burin. Et le problème, c'est qu'avec la fracture, si je fais ça, lui, il va être coupé en deux. Donc je peux pas. Donc en fait, j'ai préparé devant. Là derrière, je vais pas le préparer. Derrière, je vais le laisser comme ça. Parce que à vouloir faire trop parfait. Des fois, on fait beaucoup moins bien que prévu. Donc voilà, donc je préfère pas plus préparer. Je préfère pas le préparer, essayer de mieux faire sur ce bloc. Parce que ça va, au final, ça va rendre plus moche que prévu. Et je vais plus abîmer le fossile qu'autre chose. Donc je préfère le laisser comme ça. Et laisser un magnifique bloc comme ça. Je suis plutôt content du résultat. J'ai encore un petit peu de nettoyage. Parce que, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai utilisé de la poussière du sédiment de préparation pour combler les fissures, pour éviter que ça se voit un peu moins. Et donc, faut que je nettoie un peu là l'ammonite avant de pâcher une petite couche pour consolider le tout et que ça reste intact. Donc voilà. Plutôt beau résultat. Et sur ce, bah, sur cette préparation, sur ce beau bloc, bah, moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos.